Ali, 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 اس بات پہ کیوں کہے نہ کرے فخر موالی سوچا نہیں بس ہم نے تو مانا ہے علی کو. Là, je vois plus de loin. Animation. Le pôle animation. Animation. Ah, le fameux pôle animation. C'est un animateur qui va nous présenter ses raisins. Salam à tous. Alors, contrairement à Camille, on ne veut pas des gens sérieux et honnêtes. Donc, c'est l'avantage. Venez chez nous, il y a grand plaisir. Pour vous dire un peu, on a besoin de deux types de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est la cellule d'ouverture, donc, qui était le strat 13. Et donc, ce sera vraiment pour gérer 1200 personnes. L'accueil, même s'il n'y aura pas l'accueil qui sera là, mais vraiment gérer les gens et la restauration pour cette cérémonie-là. Et ensuite, durant le tournoi, comme ça a été expliqué, on va faire des animations telles que mesurer la vitesse de service au tennis, s'il y a tennis, du beer pong, mais bon, sans la bière, ça vendrait bien. Et on a besoin donc de gens pour participer, pour gérer un peu ces concours, ces tournois. Et voilà, il y aura donc des cadeaux à gagner. Malheureusement, j'ai pas le droit de payer les gens qui travailleront pour nous, mais on s'arrangera avec à manger, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après. Donc vous l'avez compris, avec raison, on va s'amuser. Je répète, ça va être des boissons. Donc ça, c'est pour le pôle animation. Le prochain pôle, qui sera le pôle international. Ah, relations internationales, très important aussi. Et c'est Sidika qui va vous le présenter. Donc ça, avec tout le monde. Alors, nous, en fait, on est les premiers contacts des personnes qui s'inscrivent. Donc, on s'occupe des inscriptions, de gérer un peu, en fait, le contact entre nous et le pôle financier, le pôle tournoi, etc., pour leur dire, bon, bah, y a tant d'inscrits, ils viennent de tel jamat, etc. Donc, en gros, il faut des personnes qui soient bilingues, de préférence, donc qui parlent bien anglais, parce qu'il y aura des gens qui ne parlent pas français. Des personnes qui sont assez rigoureuses et carrées, parce qu'il faut quand même être organisé, savoir faire des tableaux Excel, du PowerPoint, du Word, ça fait rêver. Mais vous aurez la chance de travailler avec une super équipe, Arzou, Charline et moi, et on va bien s'amuser. Et voilà, et ouais, bah, je crois que c'est tout. Ouais. Merci beaucoup. Ah, il faut trois personnes. Voilà, merci Sidika. Maintenant, on va passer donc, au dernier pôle qui a besoin de recruter. Donc, c'est le pôle ATL, qui est donc le pôle accueil, transport et logement. Donc ça, ça va être le premier lien avec tous nos invités. Donc je vais demander à Nadia de venir nous présenter son pôle. C'est le pôle accueil, transport et logement, mais donc Nadia fait partie de la section accueil. Salut comme tout le monde. Alors le pôle accueil, c'est très simple à expliquer, mais c'est un gros travail sur le terrain. Donc comme l'a dit tout à l'heure Astaine, on va accueillir le monde entier. À peu près 450 personnes comme objectif, donc il nous faut quand même une grosse équipe qui puisse venir nous rejoindre. On a tablé sur 8 femmes et 12 hommes pour le moment. Et les missions donc, du pôle, ça va être d'accueillir les participants à leur arrivée donc, à l'aéroport ou aux gares. La seconde étape, ce sera de les guider et de les accompagner jusqu'à leur logement. Et ensuite, de pouvoir les guider à nouveau et les accompagner à nouveau du logement vers le stade. Ça va être plutôt la partie accompagnement logistique, mais aussi, vous serez aussi à ce moment-là les premières images, quelque part, de notre diamat auprès de ses participants, auprès des arrivants. Donc, il y aura un bon rôle aussi à jouer à ce moment-là. Et ensuite, ce sera du travail au niveau des infrastructures, donc l'accueil aux infrastructures. On va essayer de mettre tout un programme en place pour les accueillir au mieux et qu'ils se sentent vraiment des invités de cette grande compétition. Et évidemment, la grande cérémonie d'ouverture aussi nécessitera la mobilisation de quelques personnes pour pouvoir les guider, les accueillir aussi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des missions. Voilà.
Et dans notre équipe, on s'amuse aussi beaucoup. Merci. Merci Nadia. Donc voilà, donc on vous a présenté à tous les pôles de notre équipe organisatrice. J'espère sincèrement, vraiment, je compte sur vous, on compte sur vous pour que vous puissiez intégrer ces différents pôles parce que je vous dis, hein, c'est un travail qui est vraiment conséquent et franchement, on n'y arrivera pas sans vous. Donc vous avez vu les besoins qu'on a exprimés pour chaque pôle. Je pense que tout le monde peut y trouver sa place. On a déjà intégré 30 personnes dans notre équipe, donc on peut en accueillir beaucoup plus. Voilà, il y a plein de compétences différentes qui sont demandées, donc là, tous les directeurs de pôle vont s'installer là. Le but, c'est que vous puissiez venir pour vous renseigner, pour éventuellement travailler avec nous. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, et surtout, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit par la suite, contactez-nous. On va communiquer, comme je vous l'ai dit, sur notre page Facebook Football Club Paris Jamat. Je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore liké, allez vite la liker parce que ça va être notre fil rouge pendant toute la compétition. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on compte sur vous et on espère que ce projet, il vous intéresse autant que nous. Et on espère évidemment que vous ferez partie de l'aventure. J'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook que c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'être présent aujourd'hui forcément pour cette cérémonie d'officialisation. Vous qui nous suivez de notre page Facebook, vous êtes aussi les bienvenus évidemment. Toute la communauté est la bienvenue pour intégrer ces différents pôles. Donc voilà, et évidemment Cogia TV aussi qui va relayer l'information. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très 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 important. Merci beaucoup et puis je vais demander à tous les directeurs de pôle de s'installer à leur place pour pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup, c'est bon. Oui. Oui, vas-y, question. Rapidement, si le match va recommencer. Ouais. C'est important ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais que sans nous, en fait, le tournoi ne se réalisera pas, ou va se réaliser, etc. Et tout. Mais une chose qui importe aussi, c'est que sans vous, les premiers organisateurs, les doubles semaines, qui le reste de l'équipe en Amazon, etc. Et tout, sans vous, ce tournoi, cet événement exceptionnel, n'aurait pas vu le jour tout simplement. Donc moi je pars là à mon nom, je voulais moi vous remercier. Ah, c'est gentil. Je pense que tout le reste de l'équipe est d'accord avec moi. Non, c'est gentil. Non, merci beaucoup. Non, merci beaucoup Arzu. C'est gentil. Mais encore une fois c'est super gentil et ça nous touche beaucoup, mais encore une fois on fait ce projet. Alors bien sûr que nous aussi on prend du plaisir à faire ce projet, mais c'est pour le bien de notre communauté, c'est un projet qui peut apporter énormément, que ça soit au niveau professionnel, au niveau social ou autre, donc c'était limite un devoir pour nous de le faire, mais en tout cas on est très contents d'avoir ce genre de retour, merci beaucoup, et voilà, et j'espère que vous êtes tous autant motivés que lui, parce qu'on aura besoin de gens comme ça pour ce genre de compétition. Merci beaucoup à tous, et bon match, hein, parce qu'il y aura le match qui va être diffusé. À la mi-temps, on fera un petit point pour les nouveaux arrivants par rapport au pôle. Donc voilà, ce que je vais vous demander, c'est donc au directeur de pôle de s'installer et aux autres d'aller leur poser des questions, s'il vous plaît. Merci. Pas du tout le cas, vous inquiétez pas, tous ceux qui participent à une compétition, on va s'arranger pour que vous puissiez y participer. Moi le premier, je raterai pas une compétition, donc vous inquiétez pas, si vous êtes inscrit dans un pôle, vous pourrez aussi jouer. Voilà, merci. A'oudhou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hazni Tariq, c'est dimanche 26 février 2017. Mashallah, après un Mohamed Imam Bargamatse. Ane masalah ni yang ke mode juillet ma, moto evenement tawanu ceh, kerjanya turno sportif ceh yang pagi ma, tu masalah bade jeune lokom matan yang mobilise ceh, ane apre mukni apre interview lesu ke lokom teo syukur ceh ke nama matan yang abela ceh, tu sebut pel apre ke sami ceh, ane apre interview liat ceh. Assalamualaikum. Alaikum salam. Voilà. Donc, Mashallah, je vois avec un maillot de Olympique Lyonnais. Et alors, c'est quoi cette journée d'aujourd'hui au Mohamed Imam Barga?
Alors pour être honnête avec vous, hein, j'ai mis le maillot d'Olympique Lyonnais, hein, je suis neutre, hein, parce que Lyon a joué tout à l'heure. Mais c'est les seules occasions quand je viens à la mosquée pour le mettre, parce qu'aujourd'hui c'est un événement spécial. Bon, déjà il y a le match Marseille-PSG ce soir qui va commencer dans une dizaine de minutes. Et puis bien sûr, il y a eu donc l'annonce du FCPJ. Asnan Nirji et toute son équipe donc, qui ont annoncé. Il y avait déjà des bruits de couloir, mais donc là c'est officiel depuis aujourd'hui. Que le week-end du 14 juillet, il y aura donc un grand tournoi, tournoi football et badminton. Voilà, donc c'est une très grande nouvelle. Il y a des choses, on a vu les images, hein. On a vu tout ce qu'il nous a annoncé et c'est grandiose. Hein. Moi personnellement, j'ai juste hâte d'y être parce que j'ai vu les infrastructures donc dans le grand écran. Les terrains auront lieu à Épinay-sur-Seine dans le 93. Voilà, donc il y a un beau gymnase pour le badminton. Et le tennis de table, hein, c'est ça, il y a le tennis de table aussi. Hein. Ouais, oui, voilà. Et évidemment pour le football où là ce sera du terrain, du gazon, quoi, tout simplement. Voilà. L'événement, c'est un événement qui est international. Hein. Ils ont contacté d'autres pays. Donc j'ai vu les drapeaux, il y a la Suisse, il y a l'Angleterre, ainsi que d'autres pays. Nous ici à Paris, on a la chance d'avoir deux Zamat, Mefi Lezeneb et Mohamadi Mbarga. Voilà, ceci étant, on a deux Zamat, mais on est quand même beaucoup, donc à mon avis, il y aura beaucoup plus que deux équipes. Maintenant, bon, évidemment, moi personnellement, quand je joue, c'est pour gagner, mais il ne faut pas oublier que la participation est importante et qu'on voit tout ce monde qui est là, les gens aussi qui sont partis en vacances, qui sont à La Réunion actuellement, qui auraient bien voulu être là, parce qu'ils habitent ici, mais qui sont actuellement à La Réunion. Donc tous ces gens-là, et puis tous les gens qui nous ont regardés en live aussi sur Facebook, c'est juste un événement exceptionnel, inattendu, et moi, encore une fois, j'ai juste hâte d'y être, quoi. Voilà. Voilà. Juste une dernière question, le pronostic pour le match OM-PSG de ce soir? Moi je suis lyonnais, donc je suis neutre. Après, s'il y a un pronostic à donner, Marseille revient bien en ce moment. Paris a une belle victoire contre Barcelone et je pense qu'ils vont, même s'ils ont fait un nul dernièrement contre Toulouse chez eux, ils vont s'inspirer du match de Barcelone et mettre du pressing intensif dès le départ pour pouvoir mettre la pression à Marseille. Je pense que Paris va gagner au Vélodrome. Après, pour un pronostic, je pense que Marseille va quand même mettre un but. Je vois un petit 3-1. Voilà, maintenant, moi, si je devais choisir. Je dirais, moi j'aimerais bien qu'il y ait match nul parce que voilà, aujourd'hui je suis ni parisien ni marseillais. Je suis lyonnais, je resterai lyonnais. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup. Kouda Hafiz. Mashallah, après cette année, Paul accueille. ATL du Paul, c'est un match après. Mashallah, après le Nassir Baïtse, qui est un méfile de la Sabiatse. Et après le directeur, c'est Sanizara Madresana. Après, il y a un petit peu de cheval. Que Mashallah, j'ai tayari chez Jabardast tayari chez Reid. Khoja TV na jonara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jim tamia ke gas rali bai a Paul ATL chez ave ATL na 30 lettres chez accueil transport logement. Ave amaro je kam chane e bo important bo mahatwa tawari kam chhe in yender chhe ke istiqbal je desh o videsh tin ave la mehman wase apra bade એટલે કોમલી ઇસ્તેકબાલ કરવાનું છે એટલે કોમલી આવકારી દેવાની છે અને આ મરહલો બહુ વ્રેમા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે આપણી જમાતોની ઇજ્જત આમાં છે તો ઇન્શાલ્લાહ અમે અમારું હમણાં મકસદ એ છે કે અમે લગભગ આ પોલની અંદરમાં અમને બહુ હોદેદારોની જરૂરત છે એટલે અમે લગભગ 20 હમણાં અનાઉન્સ થયું હતું 20 આપણે જમાતના જવાનીઓની જરૂરત છે કે આવકારી આપે અથવા તો સેક્શન ટ્રાન્સપોર્ટ બી છે એમાં આપણે ઇન્શાલ્લા લગભગ 3 ઓટોકાર આપણે મોબિલાઇઝ કરશું પણ તે ઉપરાંત અગર મહેમાનો લોકો એ ટાઈમ પર નહીં આવે જે અમે ટાઈમિંગ રાખ્યા છે તો મોટરની આપણે નવેત ઇન્શાલ્લા બંદોબસ્ત કરશું આ છે આપણો મકસદ કે બધાએ મહેમાન આપણે સહી તરીકે મહેમાન નવાજી આપણે એનું અંજામ આપી શકીએ અને માશાલ્લા આ એક આપણા માટે એક મોટું પ્રહાર છે એક ચેલેન્જ છે આપણી જમાત માટે પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે કોન્ફિડન્ટ છે અને તમે જોશો કે હરેક મામલામાં એક પોલને આપણે રાખ્યા છે તાકે આપણે આ કામને ઇન્શાલ્લાહ આપણા મકસદ સુધી પહોંચાડ હું પરોલા પૂછું જરાક નાદિયાબેન નહીં તમને કોમ્પ્લેટ કરશે અમુક ચીજમાં
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقيتي دي نسير باي كي دوتي كافيتي ورون بي بول فرنتي ما بوليس. Je vais un petit peu résumer le pôle accueil en particulier, dont le rôle est très très important parce qu'il va devoir effectivement, comme l'a dit Nessir Bay, accueillir l'image de nos diamats, de la jeunesse d'ici, et puis montrer aussi un petit peu qu'effectivement il y a une vraie solidarité au sein des participants, au sein des organisateurs, et l'objectif c'est vraiment de leur donner envie de revenir pour d'autres Inch'Allah événements sportifs qui auront lieu. Ici pour le pôle accueil en particulier, on aura vraiment besoin de la disponibilité et puis du sens du contact des gens qui viendront nous aider. Voilà, donc on espère qu'on ira tous très loin. Il y a encore beaucoup de pôles qui travaillent dans cette organisation, donc on va laisser maintenant le temps de parole aux autres. Merci beaucoup. Juste une dernière question par rapport aux jeunes qui peuvent être intéressés par ce pôle. Parce qu'on peut dire que quand quelqu'un qui participe à ce pôle, ça se peut que pour son expérience, il peut mettre ça dans son CV, qu'il a participé à un événement spécial. Et en même temps, ça peut lui donner un peu de motivation pour tout ce qui est recherche d'emploi pour les jeunes étudiants. Est-ce que ça peut être un plus pour les jeunes qui peuvent être candidats pour ce pôle? Alors je dirais tout à fait, je dirais même que c'est l'endroit où il faudrait venir pour se faire cette expérience, parce qu'on a la chance d'être entouré des membres de notre Jamaat, donc il y a naturellement une entraide entre nous, un sens aussi du réseau qui est fait très rapidement, beaucoup plus rapidement que quand on est dans des environnements qu'on ne connaît pas. L'idée aussi c'est vraiment d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre à respecter des deadlines, d'apprendre à être organisé, rigoureux, d'avoir des gens qui comptent sur vous. Donc quelque part, je dirais que c'est une expérience professionnelle. C'est vraiment, ça fonctionne comme une entreprise. La langue, ça va être extrêmement important, les langues effectivement, parce qu'on a parlé de 14 pays qui vont venir. En général, l'anglais, c'est souvent le point de ralliement de toutes les cultures. On arrive à communiquer, donc c'est extrêmement enrichissant, parce que même si on a un tout petit bagage en anglais, mais qu'on arrive à tenir une conversation, ben, ça va pousser justement à enrichir sa langue, ses compétences, et ça tout de suite dans un CV effectivement, c'est absolument à mettre, parce que c'est un événement qui a aussi une grande ampleur. On a pu voir qu'il y a des gros financements, il y a quand même, voilà, c'est pas un petit événement, c'est quelque chose de très très conséquent, donc effectivement sur un CV ça peut vraiment faire la différence, et puis ensuite lors d'un entretien, raconter son expérience avec autant de monde qui travaille ensemble, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir du poids. Voilà. Donc on le conseille vivement de venir et de nous rejoindre. C'est de toute façon enrichissant pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. J'ai Nadia Benekeigio, qui a un projet associatif. Je veux dire que je suis tout de suite au Jean Bayon et Benno Mate, qui a un événement qui est visuellement équilibré. Donc c'est vraiment un projet associatif qu'il ne faut pas louper. Inch'Allah, jamatoni, bande jamatoni, sat bichama, ane gana donateur biche, mashallah, ane bade jawania ou lokonu time, ele komni himmat, ele komni compétence rakite, bon, après gana ou jawania ou tse, inch'Allah, komni ajin kabar nati, a événement tayari tayari tse, jare komni kabar porse, to bade stand, hajin kula tse, hajin communication tase, to hon ele komni. Vraiment, elle est comme les honches à poutou, elle est comme les motivés que tu as, que tu as des renseignements, les gens qui ont été en train de contacter. Et tu as un machala, un événement qui a été en train de faire. Quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Ne ama mem kido be banne jamat ne ama jamat ni vat na ama apni community ni vat thai che atle baddai mate che jawan mate che buzurgo mate che baddi intergenerationnel che intergenerationnel ane inshallah abadi ama bas ekietano ano natijo ite ki apni jamat consolidate thase ane inshallah ekietano kamyabi inshallah apre hasil karse. Το μασάλα πρέ εντερβιούν σιλσιλοτζαρίρα και τσε, μάρα σαμνε μασάλα πρέ τζι ασνέν τσε, μπαϊ ασνέν εκ μπέρελι.
tu pensais que tu parles d'organisateur match. Tu as pris une poche que tu as aidé à tournoi en plein été Paris, ma. Organisé Karou et Karti a beaucoup d'idées, lancer tout ce que tu as comme explication comme tout. Tout d'abord, salam alaikum à tout le monde. Donc pour revenir sur cette question-là, donc, c'est une question très intéressante. Alors cette idée, en fait, elle a germé depuis un certain temps. On va dire même qu'en fait, c'est une idée qu'on a depuis à peu près une dizaine d'années. Parce qu'avec Esnen et d'autres jeunes de la communauté, on avait fait un premier MAMT il y a 10 ans. Donc on avait participé à la compétition en Angleterre. Et c'était notre rêve, en fait, d'organiser un tournoi international sur le sol parisien, donc chez nous, et notamment de foot. Donc petit à petit, on avait un peu oublié cette idée-là, mais en retournant un peu au MAMT, on a été un peu poussé aussi, on va dire, par les organisateurs qui nous ont un peu tensé en nous disant bah, maintenant, ce serait peut-être le moment de faire ça à Paris. Et du coup, bah, on a pris ça au mot et on s'est dit que ce serait vraiment pas mal de faire ça ici maintenant. Donc on va dire que ça fait à peu près un an que c'est vraiment concret et qu'on a commencé à réunir les gens, commencé à réunir les idées. Et donc voilà. En parallèle, il y aura aussi le MAMT en Angleterre au mois d'août. Alors, concernant le MAMT, donc pour le moment, c'est pas trop sûr parce que donc le COEG attendait un peu l'officialisation de notre tournoi à nous. Donc, je ne sais pas encore où est-ce qu'ils en sont par rapport à ça. Mais bon, a priori, je pense que ça sera soit, enfin pas annulé en tout cas, mais certainement en format réduit. Voilà. Juste un petit résumé de cette journée, en fait, ça a commencé par quoi D'accord. Après, il y a quoi à la fin? Ok. Alors, on a commencé la journée à 17h avec une réunion du comité directeur donc, et des directeurs de pôle, en fait, pour finaliser les quelques détails concernant l'organisation du tournoi. Puis après, on avait donné rendez-vous, en fait, à tous les supporters, on va dire à tous les spectateurs, vers 18h30, donc pour venir manger. Donc on a tous mangé des pizzas, on s'est installé dans une ambiance très cosy. Donc là, il y a un but, voilà, dans une ambiance très cosy, donc pour parler justement, enfin pas pour parler, mais pour dîner ensemble et pour discuter un petit peu, pour se retrouver. Et du coup, à 20h, on a continué avec l'officialisation du tournoi, la présentation donc des différentes épreuves, des dates, du planning, etc. Et donc là, maintenant, en fait, en apothéose, c'est la diffusion du Classico au MPSG. Et évidemment, allez Paris. C'est quoi? C'est le championnat de France? Tout à fait. Donc, c'est une journée du championnat de France. Donc voilà. Donc, c'est le Classico. Donc, on n'a pas envie de rater ça. Et bah, c'est très sympa parce qu'au final, on est pratiquement 80. 80 être réunis ici pour assister à ça. Donc, merci à tout le monde. Merci à tous de nous faire confiance. Et ça nous donne du courage et de l'énergie pour continuer comme ça. Voilà, c'est ça. Donc le tournoi commencera le 13 juillet avec la cérémonie d'ouverture et les épreuves auront lieu du coup le 14, 15 et 16 juillet. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Défis. Thank you.